Et salut tout le monde, c'est Max Gaming. On se retrouve pour le premier épisode de Lost in Black Mesa. Je vous avais dit que je tournerais une série sur ce biome Mesa, qui est un biome complètement chiant. Alors pourquoi Lost in Black Mesa? Ça, c'est parce que je viens d'inventer le nom de la série. C'est à cause du jeu Half-Life, voilà l'image à l'écran. Half-Life qui est juste un jeu de. Qui est un jeu qui était dans les premiers FPS à l'époque. Et qui était un jeu, on était dans un laboratoire et qui s'appelait Black Mesa. Et donc j'ai pris Black Mesa parce qu'on est dans un lieu Mesa et je me suis dit, bah tiens, il y a un peu de l'ombre et tout ça, on va dire Black. Donc, on va tout de suite commencer la partie. Pour l'instant, je n'ai pas de skin. Je m'en suis fait un, mais je l'ai pas encore appliqué sur le jeu. J'espère que vous, ça va bien. Moi, ça va. J'aurais dû commencer par ça. On commence directement avec une potion de heal et une map. Où on est. D'accord. Ah, donc, on est. Ok, il y a deuxième crash par là-bas. Ici derrière les nuages. Alors pour vous parler un peu pourquoi un biome Mesa. Alors pourquoi un biome Mesa, c'est coffre. Ah, voici le contenu de ce coffre. Alors 24 torches, je vais laisser la potion. Ok, un plastron, pioche qu'on va mettre ici. On va essayer de s'organiser comme ça. Une petite boussole et de la nourriture. D'accord. Et le coffre, on va le laisser là. Donc voilà. J'ai encore un Mexicain, un petit Kikou. Je voulais vous parler un peu de la chaîne et de moi. Alors déjà pour parler, je joue beaucoup à Minecraft. J'avais lancé cette chaîne pour faire beaucoup de jeux, d'à peu près un peu tous les jeux. Et j'avais lancé cette petite série, juste pour ça. Et voilà. Donc cette petite série, cette chaîne, c'est juste pour faire des jeux vidéo. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire une petite série sur Minecraft. Et quand j'ai généré un monde, je suis tombé dans ce biome, mais ça, complètement géant. Et du coup, je me suis dit, eh ben voilà, je ferai une série, je vais débuter une série là-dessus. Alors, on a des petits arbres qu'on va replanter. Car on va avoir besoin de bois, surtout ici. Donc, j'espère que ça ne vous donne pas trop la gerbe, parce que je bouge assez vite. Je devrais baisser un peu la sensibilité de la souris. Là j'ai peur de me faire cramer. On va regarder un peu les environs. Mais vu que c'est moi qui ai créé cette map, voilà, ici il y a un trou avec un arbre, je crois. Ouais. Ah bah voilà, il y a de l'eau. Ah parfait. On va récupérer le sable. Je croyais qu'il n'y avait pas d'eau ici, mais bon, il y en a. C'est déjà ça, on a déjà de l'eau. Bug. Ah! J'ai glitché. C'est pas grave. Donc, on va commencer cette petite série. J'espère que cette série vous plaira. Y a beaucoup. Ah, c'est chiant. Vous avez déjà vu un biome assez grand, quand même. C'est quand même un biome assez énorme. Alors notre boussole déjà, une onde, ok, ça nous aide pas trop la boussole. Ici il n'y a rien à récupérer, on s'en fiche un peu. Moi je voudrais déjà arriver là-bas, dans le truc de sauvetage qui est en bas. Oh, putain, je déteste ces bugs de souris, pardon. Donc on va déjà se faire un petit abri. Ici là, pour se prendre le mur, pourquoi pas. Est-ce que ça se casse à la main? Non, ça ne se casse pas. La pioche, oui. Hop, on creuse.
Alors pour l'instant ce sera les petits abris normales. Je peux pas me faire de four, j'ai pas de pierre. Alors les biomes, mais ça, j'ai quasiment jamais été en survie dedans. Du coup ça va m'apprendre un peu comment on survit là-dedans. Parce que là, d'abord il y a plein de pierres. Je pense que les épisodes, ça sera à peu près 10 minutes, un peu plus. Ma connexion internet, ça va, elle est pas horrible, elle est déjà bien. On va récupérer le coffre qui est là-bas. Hop. Alors je sais plus. Oui, je joue en pissou, je vais mettre un ici. C'est pour les mobs. Alors j'ai remarqué que j'avais. On va parler un peu de la chaîne, oui. Donc il y a plus. Il y a eu beaucoup plus de vues sur les instants jeux et sur la présentation de la chaîne que sur les deux petites vidéos TNT là, TNT World et tout ça là. Partie 1, partie 2. C'est normal parce que ce TNT World, c'est parce que j'avais rien à faire. Un soir et je me suis dit bah tiens je vais faire un petit truc avec la TNT, ça pourrait leur plaire. Oh ça va, la partie 2 vous a plus plu, enfin il y a plus de vues car la vidéo était bien plus courte et je pense que c'est parce que c'est la longueur des vidéos aussi vous empêche de regarder donc j'essaie de faire des vidéos assez courtes, pas prendre trop de temps aux gens. S'il y a 2-3 lags, c'est parce que ça génère encore le monde qui est quand même énorme. Je débug de chunk. Si on peut pas se prendre des dégâts, on va aller par là. Je sprint, je vais user ma bouffe. C'est pas grave. On sneak. C'est géant. On trouvera rien par là. Alors oui, la qualité son, il y a quasiment aucun son sur enfin, on entend très mal. Je vais baisser encore le son du jeu. C'est parce que ça vous gêne énormément lors de mes vidéos. Le son qui est trop fort, c'est horrible. Et mon micro, j'ai beau crier dedans, ça enregistrera toujours le son comme ça. Donc, je ne peux rien y faire. J'en suis sincèrement désolé. Je peux rien y faire pour le son. Et donc voilà. J'aimerais aussi ouvrir une petite série je voulais, oui, sur pareil, une sorte de survie Minecraft, mais je pense pas que je la ferai parce que vu que j'ai déjà débuté celle-là, ce sera peut-être pas pour maintenant. J'ai vu que comment dire, j'ai déjà l'idée pour une vidéo spéciale abonnée. Donc quand j'arriverai aux 20 abonnés, je ferai juste une petite vidéo comme ça. Spécial abonné. Il y a un instant jeu qui va bientôt sortir, c'est l'épisode 4 si je me trompe pas, et il sort bientôt. Donc, je crois qu'il sort même aujourd'hui. Il sort. Ouais, il va sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche. Hein. Oh, punaise! J'ai eu peur. La pioche qui pète en même temps le vide. Ah, c'était. C'était chaud. Donc j'ai plus de pioche. J'ai du bois. Je peux m'en faire une. Je vais remonter. Ça, je poserai ma table de craft. Alors il y a déjà un creeper là. Il a pas de moyen que de se suicider. Suicider. Sous-s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 ous
Ça a été, c'est pas des heures dessus, des heures de travail. Et oui, j'ai bien copié sur Tommy Stonefer, qui lui-même avait copié sur The Legendaire 39, qui est un très bon youtubeur, un ami à moi, comme un ami de Tommy Stonefer. Et du coup, en fait, on est comme un groupe de trois et on fait chacun nos vidéos. The Legendaire 39 a eu plus de succès car il fait plus de vidéos sur du Call of et il fait pas vraiment de Minecraft mais il fait plus sur du Call of des petits trucs comme ça. Il a fait deux trois vidéos sur Minecraft avec le mode Herobrine et c'était assez, ça buguait un peu et puis ils ont pas eu de super succès à ces vidéos-là. Mais sa chaîne a quand même 100, je sais plus combien de vues. Moi, la mienne a 90 vues, la chaîne, en ce moment. Et j'espère qu'elle montrera, qu'elle aura plus de vues. Donc, n'hésitez pas à me proposer des choses dans les commentaires, parce que j'aimerais bien m'améliorer. Donc, dites-moi en quoi je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Tout simplement. Parlez-moi, vous pouvez. Vous pouvez, il y a libre pensée dans les commentaires, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez critiquer, allez-y, c'est pas grave. De toute façon, je supprime les commentaires comme ça. À part, je lirai tous vos commentaires. Je suis souvent sur la chaîne pour lire les commentaires. Vous avez entendu un bruit. Pardon. Voilà, je suis souvent sur la chaîne. N'hésitez pas à poster des commentaires parce que je veux à tout prix m'améliorer là-dedans. Si vous voulez des choses, comme par exemple, si vous voulez, je sais pas, du Minecraft, proposez-moi des jeux. Vous pouvez aussi, par exemple, je voudrais faire du Garry's Mod. Dites-moi si ça vous plairait un peu de Garry's Mod dans mes jeux. Par exemple, dans mon instant jeu, je pourrais faire une petite partie de Garry's Mod. Même vous donner le crack des jeux, des mods. Par exemple, enfin, sur Garry's Mod, il y a des add-ons, je peux vous en donner plusieurs. Vous faites comme vous voulez. Car j'ai plein d'add-ons sur Garry's Mod, d'ailleurs mon jeu rame du moment que j'en ai. Donc voilà, donc c'est à vous de me dire si vous voulez des jeux comme ça. Donc là pour l'instant je fais rien d'intéressant, c'était juste pour vous parler un peu de la chaîne. Les 10 minutes sont quasiment finies, enfin je pense qu'ils sont finis, j'ai pas chronométré vraiment. Du coup bah, on va se laisser là, sur ce magnifique son là. Et d'ailleurs, il fait nuit, c'est pas bon pour moi. Donc, on va aller tout de suite à cette sonde. On va piocher ça, voir ce qu'il y a dedans. Un coffre! Et vous verrez le contenu du coffre dans le prochain épisode. Ha ha! A plus dans Lost in the Black Mesa.